Hello, coucou, bonjour mes amis, bienvenue dans ce nouveau vlog où vous allez voir, bien sûr, une vidéo ménage d'entrée. Alors, j'ai commencé, j'ai travaillé, autant vous dire, que dans ma cuisine. Donc, je vous explique tout ce que j'ai fait avant de vous introduire tout ce que j'ai fait. Donc, j'ai commencé à faire ma vaisselle, puis j'ai rangé ma vaisselle. Puis, j'ai rangé la vaisselle du lave-vaisselle. J'ai aussi nettoyé tout mon évier avec du produit. Et vous allez voir que, bien sûr, à la fin, il y aura un peu avant la fin, où je vais nettoyer toute ma cuisine comme il faut avec du vif pour dire que ça sent bon et que ça soit propre et qu'on tire le calcaire. Parce que ça demande d'être nettoyé. Et à la fin, qu'est-ce qu'il y aura? C'est que je vous montrerai le jardin, comment il est, quand il est illuminé partout, dans sa plandeuse, avec les lumières que j'ai achetées. Rappelez-vous, les lumières que j'ai achetées, que je vous ai fait en retour de course Action et Zeman. Donc je vous ferai ça sans problème. Le soir, c'est le magnifique. Allez, je vous laisse regarder avec tout ce que j'ai fait. Et allez. Cuisine avant de vous faire
le grand nettoyage cuisine. Je viens d'avoir fini ma vaisselle. Regardez dans quel état est ma cuisine de tuyauterie. Donc je l'ai laissée telle comme elle était avant de faire le grand nettoyage. Et avec tout ça, je vais prendre une éponge de ceci. Voilà. Cet emballage, vous pouvez le trouver à Action. Hein. C'est bon pour barbecue. Mais moi, je me sers pour tout ce qui est inox. Et des fois, casseroles, quand les casseroles sont très, très brûlées, c'est ce que je me sers aussi parce qu'il y a déjà du produit dessus. Et c'est très, très, très pratique pour aussi pour les calcaires. Et je vais me servir de ce fameux produit que tout le monde connaît pour retirer tout ce qu'il y a ici. Bon, c'est parti. Ben, je vous laisse regarder avec ceci. Je vous ai pas repris très longtemps, à part que je vous ai fait l'intro ce matin, et puis c'est à dire pas au matin, je l'ai fait après-midi, soyons cons, j'ai fait après-midi, et au matin je vous ai fait tout le petit ménage que vous avez vu avant l'intro. Là maintenant je viens d'avoir fini d'avoir vidé d'avoir lavé la cuisine, la dire d'avoir lavé l'évier. Ah, parce que je vous dis, il est là, il est maintenant. C'est plus une vidéo cuisine. Donc, c'est plus une vidéo où je remets un peu ma cuisine en ordre, autant vous dire. Donc, aujourd'hui, on est mercredi. Donc, là, il est, autant vous dire, il est 9h, il va être 10. Il va être 22h du soir, donc il va être, allez, il est 21h30, il va être.
Alors, je vous cache pas, il va être 21h30, vous le voyez ici à l'horloge. Hein? Donc voilà. Alors j'ai tellement chaud. Est-ce que je ne sais pas si c'est ça qui fait, ou est-ce que c'est la chaleur de dehors ou quoi, mais j'ai chaud. En haut, il fait encore plus chaud, mes amis. En haut, il fait encore plus chaud, plus chaud, plus chaud. J'ai... Mes amis. Voilà. Et oui, le premier est dans mon corps. Ça y est, il est rentré en moi, il est possédé en moi. Je vais demander pour faire le deuxième, pour le faire de l'autre côté, parce que je ne vais pas faire le premier, le deuxième du même côté que le premier. Donc ici, je lui dirai que le jour que c'est le deuxième, qu'on me le fait dans l'autre bras. Alors, autant vous dire, il y en avait beaucoup, 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 hein? Parmi vous qui m'ont dit, ça m'a l'air un petit peu assez court que tu aies déjà le deuxième vaccin 4 jours après. Alors autant vous dire que comme j'ai été aujourd'hui, on a revérifié sur le net. Voyez, on a revérifié sur le net. Et autant vous dire que ils se sont trompés sur les dates. Et c'est aujourd'hui qu'ils ont vu une bonne date, hein, sur l'ordinateur. Ils se sont trompés. Et aujourd'hui, ils m'ont donné la bonne date. Autant vous dire. Donc, ce sera bien le 14 prévu, comme j'ai dit. Donc, ce sera la 14 du 7, mais après-midi aussi. Donc, voilà. Donc, ce sera le 14 du 7. Donc, le mois prochain. Le mois prochain, je dois aller me faire vacciner la deuxième dose contre le corona. Virus, mes amis. Voilà, donc vous savez un peu plus. Vous êtes à peu près tous nombreux à me demander ça. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup, 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 beaucoup d'entre vous qui est sur mon deuxième Instagram. Donc, ceux qui sont sur mon Instagram, où il y a les fameuses postures là, autant vous dire. Cet Instagram-là est toujours en possession. Donc, il est toujours en possession, comme d'habitude. Vous pouvez vous installer sur mon Instagram sans problème. Je vous accepterai si vous êtes des gens qui me suivent sur YouTube. J'arrive à vous avoir. Par contre, les autres personnes qui sont sur mon Instagram avec mon visage, qui est en noir et blanc. Je sais qu'il y en a qui me suivent sur YouTube, qui sont sur mon Instagram. Là, autant vous dire, cet Instagram-là, j'ai difficile à le reprendre. Je sais le voir, mais je n'arrive plus à reprendre ce Instagram-là. Je tombe sur un autre qui n'est pas le mien. C'est ça que je ne comprends pas. Alors, j'essaie toutes sortes de choses pour essayer de reprendre mon ancien. Mais je n'arrive pas, mes amis. Je n'arrive pas. Je vous avais dit il n'y a pas longtemps d'ici que j'ai eu un souci avec mon GSM. J'ai dû refaire une vérification complète de mon GSM. Mais j'ai difficile, autant vous dire, de me remettre en mode... J'ai eu difficile de me remettre, autant vous dire, en mode... allez, il faut que je rattrape mon deuxième, mais j'ai difficile à le faire et à le prendre. Alors, autant vous dire que ici, pour la fin de ma vidéo, j'attends qu'il fasse noir, parce que vous voyez, il fait encore assez jour, hein. Je vais attendre qu'il fasse noir pour vous montrer comment c'est dans la cour. Autant vous dire, vous allez voir peut-être un tuyau par terre, autant vous dire. C'est la piscine. Oui, c'est la piscine. Je suis en train de renouveau vider la piscine. Donc, je l'ai remplie. Je suis obligée de la revider. Pourquoi je suis obligée de la revider? C'est que de l'autre côté, donc pas du côté ici, là où il y a la porte, mais plus loin où là, il y a le compost. Donc, pour ceux qui ne savent pas, allez voir certaines vidéos où on voit que là où il y a le compost, donc la piscine est du côté de mon compost. Et il y a une partie côté porte et une partie côté compost. Donc, du côté où là, c'est le compost, il y a une fuite, mais vraiment dans le bas de la piscine. Donc, moi, j'ai fait
Quand j'ai vu ça, j'ai fait premier une trace en marqueur à l'intérieur de ma piscine où là l'eau était pour voir quelques jours après si la piscine ne diminue pas. J'ai remarqué que la piscine diminuait. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait pour réparer, parce que je voudrais bien réparer la piscine. Donc qu'est-ce que je vais faire? J'ai mis un tuyau que j'ai fait moi-même pour vider la piscine. J'ai mis un tuyau. Donc ce que je vais faire, je vais là maintenant, je suis en train de mettre le tuyau pour vider la piscine. Pour comme ça, je vais réparer la piscine avec les fuites, avec le plastique de fuite spécial que j'ai acheté sur le site Joom, hein, pour ceux qui s'en rappellent, sur le site Joom qui est très très idéal pour les fuites. Autant vous dire, il y a une fuite il n'y a pas longtemps qui a été faite par mon chat ici à l'entrée. L'eau, elle coulait 2 minutes. J'ai coupé un morceau, j'ai mis dessus, c'était fini. Plus aucune eau qui coule. Ça a été fini, il n'y a plus aucune eau qui coule. Par contre, ça colle bien. Je ne vous dis pas, ça colle hyperbement bien. Mais sinon, il n'y a plus d'eau qui coule dans l'endroit là. Ça va hyperbement bien. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un morceau comme ça. Et voilà, au moins ça va me protéger un peu de la fuite. Au moins ça sera réparé et on sera tranquille avec ça. Et je pourrai remettre bien sûr de l'eau. Ça me fait mal au cœur, bien sûr. Je l'avais déjà rempli. J'aurais pas pensé qu'il y aurait eu une fuite ainsi dans la piscine. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Au lieu d'en acheter une nouvelle, je voudrais pas en acheter une nouvelle. Autant de me servir des caoutchoucs que j'ai acheté exprès pour les fuites. Donc autant le faire. Et si je vois que là, il y a renouveau une fuite, parce que bon, ce que je vais faire, je ne vais pas la remplir à fond, à fond, à fond. Pour la deuxième fois, je ne vais pas la remplir à fond. Je vais la remplir que au fond de la piscine. Je la remplirai une deuxième fois, mais que au fond de la piscine. Et si je vois que ça coule encore et que je ne trouve pas la fuite, la seule chose que j'ai à faire, c'est de racheter une piscine. Mais ce que je ferai, je rachèterai une plus petite piscine que celle-là. Et voilà. Bon, moi, je suis sûr et certain que voilà. Moi, je peux mettre ma tonnelle ici et ma piscine du côté où là il y a le carreau. Je mettrai ma piscine. Donc, ce sera une piscine en carré, hein, rectangulaire. Et à ce moment-là, je mettrai ma piscine de ce côté-là et la tonnelle de ce côté-ci. Comme ça, on aurait tout l'un à côté de l'autre et ce sera un peu plus mieux. Donc, je verrai bien, mais je voudrai quoi au fur et à mesure. Voilà. Donc, moi maintenant, je vais vous laisser. Je vais attendre que la soirée démarre pour vous faire une vidéo du décor de la cour, hein, du décor de la cour, et ce sera la fin de mon vlog. Donc la vidéo de la fin de mon cours, ce sera la fin de mon vlog. Voilà, donc j'espère que cette vidéo ménage et un petit peu blabla vous aura plu et des nouvelles de moi-même vous aura plu. Donc dites-vous bien en tête que si demain vous ne me voyez pas, c'est que je suis vraiment dans les vapes à cause du produit. Mais vous inquiétez pas, de toute façon, quand je suis rentrée, le temps que mon poulet, je vous dire une chose, hein, et ça c'est rare que quelqu'un le fasse, il faut que ça arrive à moi, le temps que mon poulet est en train de chauffer au four, moi, je me suis mis dans le fauteuil et j'ai dormi. Je me suis ce qui s'appelle reposé. Pas longtemps, mais je me suis reposé dans le fauteuil. Et comme ça, tel comme je suis, sans couverture, de trucs sur moi ou quoi, je me suis reposé. Bon, allez, mes amis, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'oubliez pas, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.